Je suis Super Echo et aujourd'hui je vais vous montrer comment je suis passé de ça à ça. Je sais pas vous, mais moi j'ai toujours voulu avoir un hoverboard. Malheureusement, ça n'existe pas, à part des fakes, à part des prototypes, à part des trucs qui s'appellent des hoverboards et qui n'ont rien à voir avec des hoverboards. Pour moi, ce qui se rapproche le plus d'un hoverboard, c'est un longboard électrique. Donc j'ai craqué, j'ai acheté un longboard électrique, je l'ai testé, je suis tombé, je me suis déchiqueté la fesse gauche au point où on a dû me faire une greffe de la peau au niveau des fesses. Non, bon, c'est pas vrai. Mais en tout cas, je suis tombé, je me suis fait très mal. En tout cas, c'était une compétence qui me tardait d'apprendre. C'est parti. Nom de Zeus ! La première étape avec le longboard, ça va être d'apprendre à démarrer. Alors oui, ça a l'air simple, mais en fait, au début, pas du tout. Pour démarrer, vous allez donc mettre vos deux pieds sur la planche, évidemment. L'écart entre les deux pieds, c'est généralement, on va dire, la largeur des épaules. Soit vous mettez votre pied droit, soit votre pied gauche en avant, c'est en fonction de vos préférences. Et ensuite, vous allez pencher un peu votre corps en avant pour accuser le choc de l'accélération. Parce que c'est en fait, c'est une accélération qui est assez brutale, qui est à l'arrêt, et en fait, ça peut surprendre. Et quand on est trop tendu et trop normal droit comme ça, eh ben, on tombe en arrière. La deuxième étape, ça va être de freiner. Alors vous avez deux choix, le frein d'urgence, vous mettez votre pied à terre, vous déchiquetez la chaussure, mais au moins vous avez freiné. Soit le frein d'anticipation, vous utilisez la molette, vous allez pencher votre corps vers l'arrière, fléchir les genoux, et comme ça vous allez éviter d'être propulsé vers l'avant au moment du freinage. La troisième étape, ça va être de tourner. Vous savez démarrer, vous savez freiner, et bien tourner, c'est le plus important et c'est le plus difficile quand on commence. Pour tourner, vous avez trois choses à faire exactement, fléchir les jambes, incliner votre corps vers l'endroit où vous voulez aller, c'est ça le plus dur parce qu'on a l'impression qu'on va tomber, et ensuite il faut positionner votre pied qui est à l'avant sur l'extérieur de la borne, soit à gauche, soit à droite, et c'est ça en fait qui crée en fait la rotation, parce que plus vous appuyez sur la gauche, plus les deux roues en fait vont vers la gauche, et etc. pour la droite. Et c'est assez difficile et surtout à grande vitesse, pour l'instant j'y arrive pas du tout. La quatrième étape, ça va être de maîtriser les trois premières étapes, c'est-à-dire de rouler énormément, de tester plein de choses pour être vraiment à l'aise pour tourner, freiner ou accélérer. Et ensuite tenir une caméra, parler à une caméra, accélérer, se diriger et faire en fait quatre choses à la fois. Ce qui est normalement pas possible étant donné que je suis un homme. Par contre le longboard, ça fait quand même un bruit d'aspirateur assez désagréable. Alors ce matin, je me suis levé super tôt pour rencontrer le spécialiste du longboard sur YouTube, Échappée Urbaine. Je pense qu'il va m'aider à apprendre plus vite les techniques pour tourner, parce que même si je connais un peu le principe, lui il est vraiment spécialiste. C'est faut pas trop se pencher ou quoi, c'est faut un peu fléchir les genoux, ouais. Et que ça soit ta cheville qui t'aide à incliner la borne. Et c'est vraiment la jambe avant qui fait tourner. Du coup il y a un truc que je trouve particulièrement dur dessus, c'est d'avancer et de tourner en même temps. Parce qu'en fait, quand on avance, on est un peu projeté vers l'arrière, donc on doit mettre plus de poids sur l'arrière pour compenser. Et quand on tourne, en fait, il faut tourner avec la jambe avant, il faut appuyer sur la jambe avant pour tourner. Et du coup, bah, là, quand on roule normalement, sans accélérer, avec juste l'inertie, ça va, on peut tourner. Mais quand on accélère en même temps, c'est plus compliqué. En fait, ce qu'il faut que tu fasses, c'est que tu fléchisses ta jambe qui est sur la borne pour que ta jambe qui va freiner, ne soit pas trop tendu et de 1 et que ton corps ne soit pas hors de la borne. Ouais. En fait ton poids il reste vraiment sur la borne et ça c'est vraiment l'erreur principale que font les débutants, c'est que ils essayent de poser leurs pieds, même quand ils pushent, ils essayent de poser leurs pieds mais en mettant leur poids dessus, tandis que quand on fait un drop foot en fait tout ton poids il reste sur la borne, donc sur ta jambe qui est avant, ouais. Et après tu freines avec ta jambe mais en la posant progressivement. Parce qu'en fait, tu te retrouves beaucoup comme ça. Oui, oui. Parce que tu te laisses emporter. Peut-être que tu appuies peut-être un petit peu trop fort à des moments et du coup, bah, ça te freine plus. Enfin, ton pied, il reste plus sur place. Mais si tu restes bien comme ça, les épaules droites, et que tu jauges bien ça en gardant ton poids sur la jambe avant, il n'y a pas de souci. We'll be right back.
C'était trop cool. Je suis vraiment content d'avoir cette compétence, sachant que le longboard, c'est vraiment spécial quand on le conduit. On a une sensation un peu grisante. Tous les gens sont toujours là. Oh, qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que c'est? Oh, c'est électrique, tout ça. Ça crée un petit peu de mystère. C'est vraiment très sympa. Donc c'est une compétence qui va m'être utile pour me déplacer notamment. Et puis ça a travaillé mon équilibre, ça a travaillé aussi un peu ma peur, parce que dans les descentes c'est pas toujours évident. Donc c'était vraiment très intéressant de maîtriser cette compétence. Et franchement c'est très utile pour se déplacer en ville, parce que bah, c'est assez rapide mais pas trop, ça permet de monter les pentes, donc à Paris c'est vraiment pas mal. Bref, c'était une compétence super cool à avoir, mais j'espère que je vais encore progresser davantage. Parce qu'en fait l'apprentissage ça ne s'arrête jamais. Moi j'apprends sur des périodes courtes, mais ensuite je continue de progresser sans cesse. Et au final j'espère aussi avoir une meilleure longboard un jour, parce que celle-là elle est très défectueuse. C'est la troisième déjà, j'ai eu 3 SAV dessus, j'en ai un peu marre. Donc ça a été difficile de faire cette vidéo. En tout cas, si vous avez appris quelque chose avec moi ou si vous avez passé un bon moment, eh ben, n'hésitez pas à vous abonner, à liker, à partager. N'hésitez pas à cliquer sur la cloche pour recevoir les notifications de mes prochaines vidéos. Et enfin, n'oubliez pas, force et utilité.